Oubliez, vous pouvez, c'est fini, 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 fini. Je vous le dis. Parce que faire ça, t'as vu, c'est à la limite. T'as vu, j'aurais pu parler avec elle ou quoi, je m'en fous. Tout le monde m'avait prévenu sur elle, frérot. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Et moi, j'ai été aveuglé par ça, frère. Et après, vous me dites, ouais, il reste des gens bien. Incroyable. Heures du matin, frère. T'apprends ça. Alors que... Waouh. Eh ben... Ça va, vous savez de qui je parle, frère, je sais pas. C'est incroyable, frère. Je vous promets que ma communauté, que j'en vois aucun, que ce soit Vincent, Cricri, Jonathan, Alessia, Mylène, Latina, tout ce que vous voulez, même parce que Latina, je te considère vraiment bien, que j'en vois aucun, mais quand je dis aucun, c'est aucun, mais c'est là-bas. Parce que je vous jure que vous venez dans mon live, vous êtes bloqué à vie. Et je vous le dis, c'est terminé. Mais c'est terminé. C'est terminé. Qu'il n'y en a pas un que je vois qui aille chez elle. C'est une dinguerie ce qui se passe, frère. Mais ouais, ça m'a utilisé. Bien sûr, ça m'a utilisé, frérot. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bien sûr que ça m'a utilisé. Ah, je tombe de 50 étages, là. La vie de ma mère, c'est une dinguerie encore. L'humain, c'est vraiment... Là. Et après, on dit les hommes, les hommes, les hommes. Mais la vie de ma mère, je mets pas toutes les femmes dans le même sac. Mais les femmes, 60-70%, c'est des pourritures. C'est des pourritures. La vie de ma mère, c'est des pourritures. Plus jamais, au nom de Dieu, dites-moi, j'aime quelqu'un. Moi, je suis choqué, frère. J'ai vu les messages, vous inquiétez pas, j'ai tout vu. Il y a des... J'ai tout vu. J'ai vu les messages, j'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai tout vu. J'arrive, j'arrive... J'ai tout vu. Et elle peut pas nier parce que les messages ils sont là. Et quand tu rentres dans un jeu de séduction, quand tu rentres dans un truc que tu dis oui, que tu dois me voir 3 jours avant et que tu proposes, on te propose un resto, tu dis oui avec grand plaisir, je viendrai au resto. Ça veut dire quoi ça? Donc vous le prenez comment? 3 jours avant, elle me parle, elle doit se remettre avec moi parce que, ben, soi-disant, elle-même, on propose un resto, elle dit oui avec grand plaisir. J'adore les restos italiens. Vous le prenez comment? Il y a trop de messages, qu'est-ce qu'il y a ?